Ah oui, ça démarre fort. Demi-finale tête à tête. Emma n'a rien laissé au point, mais on a 3 tirs cadrés. Et donc, 3-0. Ça suffit. Je pense qu'il y aura un petit peu de souffle de ma guitare. On va vérifier ça à la fenêtre. Puisque dans la demi-finale du test, l'avantage est à Corinne Mattei, Christelle Barrage et Marion Lovera mènent de 2 points pour aller se positionner à 1 point de la grande finale face à l'équipe de Florence Schopp. Corinne Mattei mène 12-7 face à Camille Durand, Elodie Estève et Céline Lebossé. Mademoiselle Lebossé. Les 12 travaux d'Hercule ne sont pas terminés parce que Céline est également qualifiée tout à l'heure pour le second demi-finale tête à tête face à la Canadienne Maryse Berchaud. Premier point pour Emma Picard, vous l'avez dit, 3. Allez, un bel appoint d'Emma Picard. Allez, ça y est, main annulée, hein, il y en avait. Boule bouchon. Boule bouchon, ça joue fort. Hein. Première main, 3 frappes.
3-0, mène d'après une petite chic d'Emma Picard et puis ça y est, hein, une petite chic à ce niveau-là. Bon ben voilà, je voulais commenter un petit peu, mais je crois que je me suis fait piquer ma place. Tu veux commenter? Hein? Ouais. Allez, ben, je reste quand même au commentaire avec Jonathan qui arrive, hein, il était au téléphone. Allez, deuxième main là. Enfin, troisième du coup. Troisième main, oui. La deuxième a été annulée. Superbe entame avec une boule plein dans l'axe. Ça, c'est une bonne boule. Hein. C'est une bonne boule parce qu'il y a toujours un petit peu de but sur une boule bien dans l'axe comme ça. Ouais, c'est... Il y a toujours une possibilité d'un déplacement de bouchon, mais. Voilà. Allez, mon AVJ. Oh! Ah, juste coiffé. Sauté, là pour Mouna. Oh ben on va retirer. Allez, c'est parti, la deuxième tentative pour Mouna BJ. Ouais, pas droit, c'est chiqué. Ça va pas suffire. Alors on va essayer de bien pointer là du côté de la Lyonnaise. Alors on prend soin à bien boucher, se préparer la petite donne là, hein. Le terrain est très technique. Et si elle se met dans le bouchon, peut-être ce serait le coup défensif parfait. Allez belle, allez. Emma Picard, il faut frapper, allez, faut. Emma Picard, faut essayer de tirer. Faut pourquoi pas cadrer. Allez belle en l'air. C'est bien tiré. Cadré de par terre. Ouais. Ça y est, ça va être une belle mène de 3. Voilà. Allez, à la fin de cette mène. De 3, c'est Emma Picard qui passe devant et qui prend les commandes de cette demi-finale. Oh là là. Ça va vite, hein. Bah, tête à tête, c'est souvent assez rapide. Surtout si ça part à l'attaque. Alors c'est rapide avec des filles de ce calibre-là, hein, parce que vous voyez, hein, c'est vraiment, vraiment de la pétanque de haut niveau féminin. On se retrouve avec exactement les mêmes forces que chez les messieurs. Ah, c'est bien engagé là pour Emma Picard. Allez, c'est reparti. Hein. Je crois que ça va être un duel de tir. Voilà, frappé, mais. C'est pas suffisant. Mais elle n'a pas le point. Cinquième main. Allez, cinquième main. On n'avait pas compté une main annulée. C'est une boule de match au point dans la main de. Allez, offensif, défensif. Ouais, c'est bien joué là pour Mona BJ. Perdu,
Oh, superbe. Hein. Ah, c'est bien tiré. On peut pas vous le montrer au plus proche parce que les filles sont parfaitement en face d'une de nos caméras. Mais là, c'est un magnifique carreau. Alors maintenant, encore un coup défensif. Hein, il va falloir essayer de se mélanger. Je pense qu'elle, ouais. Ou va même peut-être falloir. Elle a touché un petit peu devant la boule là. Non, voilà. Elle veut pas subir. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Elle voulait pas subir sur la main. Hein. Et finalement, c'est une petite chic et ça va être une grosse main encore. Emma peut jouer tranquillement, hein, même face au but. Grosse main de deux. Allez, 6 à 3 ouais. Pour Emma Picard. Oh, mais sous les yeux aguerris de sa partenaire Rania là, qui l'encourage. Qui est avec nous aux avant-postes. Alors Rania qui n'a pas voulu commenter parce que je pense qu'elle aurait eu un peu trop de parti pris. Ce qui est bien normal. Ouais, c'est bien engagé pour Emma Picard. Allez, c'est reparti. Allez, Mounaf, elle se reconcentre. Hein. Elle a bien frappé, mais elle faisait pas passer. Là, elle avait fait une belle main, belle première main de 3 points. Allez, elle se reconcentre. Superbe style. Oh là là, coiffé. Ah oui, si tu arrives à le placer là, oui, bien sûr, oui. Comme... Allez, faut se reconcentrer. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça tourne pas trop, hein. Faut pas qu'elle prenne trop de distance avec Emma. Hein? Oui. Alors là, Emma Picard qui a deux boules en main, tranquille, on va dire, pour tirer cette boule. Et voilà, c'est frappé, c'est 3 points. Allez, la fin de cette sixième main. Emma Picard qui mène 9 à 3. Attention, hein, deux grosses mains d'avance, on va dire, pour Emma Picard dans cette demi-finale. 6 mains de jeu, 15 minutes. Et avantage Emma Picard, 9 à 3. Il va falloir réagir. Après, Emma va peut-être jouer un peu long là maintenant. Une belle avance. Même si chez ces filles-là, la distance, ça ne leur fait pas peur. Allez, celle-ci elle est un peu loin, là, va falloir en profiter pour Mouna. Ah, ça c'est
Non, ça va, c'est une boule qui est quand même assez loin. Vous le voyez peut-être pas avec la caméra, mais elle est bien à 1 mètre quand même. Ok, donc Mouna va pouvoir pointer. Superbe. Attention, hein, il y a un peu de but. Allez, on retire. Ouais, c'est bien donné, bien droit, mais avec un beaucoup de poignée. Allez, il va falloir aller chercher cette mène là. Déjà s'appliquer pour rentrer en second. On s'applique. Enfin, elle va chercher bien sûr à gagner le point, hein, c'est pas. Un poil long, mais elle s'est gagnée en second. Allez, pas facile, hein. Allez, c'est important là, il faut frapper cette boule, hein. Il faut prendre la marque. Ah, aïe, 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 aïe. Aïe 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 aïe. Là, elle avait l'occasion de marquer. Elle n'arrive pas à se mettre dans une spirale positive. Et Emma Picard, elle, express, elle relance le but. Tout va bien pour elle, mais attention, hein, attention. Parce que Mouna Béji, elle peut faire preuve de très belles choses. Il faut qu'elle se remette en ligne. Il lui faudrait une belle benne de 3 là quand même. Hein. Ou en tout cas de faire une benne qui lui permette de reprendre de la confiance. Je ne sais même pas si sur une boule à 80 côtés là, si elle va pas se demander s'il faut pas y aller, hein. Elle va pointer quand même, mais bon. Ouais. Allez. Allez, faut bien regarder, elle est très appliquée hein, à la pointe, hein. C'est une joueuse complète hein. Mais le terrain est exigeant et il faut vraiment pas se louper hein. Je vais regarder d'ailleurs, je vais vous le dire, j'ai vu où elle a bouché le trou, c'est superbe hein. Elle était pile dans la donne. Le résultat est là. Maintenant, elle a la boule d'avance, mais il faut encore batailler pour essayer de prendre la marque. Allez, Mapika. Petit trou. C'est manqué. Et là, le point est pas si facile à gagner, hein. Eh oui, En vous profiter là voyez, pour Mouna. ça y est, hein. Ça y est, là. Alors après, en fonction des joueurs, on joue à droite, on joue à gauche. Il y a parfois des joueurs qui aiment mettre un petit effet côté. Là, ça paraît naturel de le jouer sur votre droite. Et si elle l'envoie au même endroit que tout à l'heure. Les Bleus qui s'imposent dans cette rencontre, Corinne Mathey, Christelle Marage, Marion Lovera. Je peux le dire. Demi-finale très disputée et victoire très à vite. Aïe, aïe, aïe. À Camille Durand, elle est passée. Et Céline Legossé. Corinne Mathey passe à Florence Je peux le dire. Cet après-midi. Voici donc l'affiche de la finale de l'international triplette.
avec des horaires à peu près comme ça. Hein. Bon, on bougera peut-être d'un quart d'heure, mais la finale tête à tête vers 14h, la finale. Superbe. Vers... Et ben voilà, hein, une main qui va peut-être la remettre dans le droit chemin. Aux alentours de 16h30. 17h avec, allez, sur cette huitième main, Mouna Béji engrange deux points supplémentaires donc, pour la porter à 5 à 10 Lisette, et surtout engrange un peu de confiance. Picard, donc les filles de Palavas contre l'équipe de France dans la finale doublette. Et là, donc... Deux points dans cette main pour Mouna Béji. Emma Picard mène 10 à 5. Allez, maintenant. Allez, c'est rien. Allez, il va falloir s'appliquer. Première boule importante. Après, il y a plusieurs façons de voir le jeu. Elle peut jouer déjà large, mais je pense que non, elle s'applique. Hein. Surtout que Emma Picard a percé deux, trois fois sur ce début de partie. Allez. Allez, la jeune joueuse de l'équipe de France. Rond, superbe balancier. Et beaucoup de poignées. C'est palais. Il y a vraiment deux féminines qui ont des styles magnifiques. Allez, on s'approche. Là même, on pourrait même espérer se mettre un peu dans le bouchon avec une boule en attente derrière. Il faut vraiment réfléchir à tous les coups. Hein. Toute boule est importante. Ah, un peu longue. Et on voit Emma Picard qui regarde cette boule. Qui aurait bien aimé qu'elle soit proche du but finalement. Alors, quelle décision a-t-elle pris? Non, bah, je pense que la décision est naturelle pour elle. Et c'est manqué. Là par contre, elle est. Bon, elle voulait peut-être. Elle se voit à 10. À 10, c'est vrai qu'on est un petit peu dans la gagne. Hein. Donc je pense qu'elle a été. Elle a été dans la gagne. Elle a peut-être un petit peu manque de concentration là. Elle perd le point, vous voyez. La mène d'avant. Enfin le. Elle aurait pu se permettre de pointer, surtout qu'elle était en contre. Hein. Moi, personnellement, j'aurais peut-être choisi cette solution, même si elle est à 10 et qu'elle peut jouer la gagne. Hein. Donc, bon. Après, je pense qu'en pointant, elle pouvait prendre carreau. Elle pouvait surtout, il y avait un contre derrière. Elle pouvait assurer, marquer son petit point. Dommage. Et Mouna qui fait deux points sur la main. Attention. Allez, un match qui se relance, hein, puisque Mouna Béji revient à une belle mène d'Emma Picard. C'est superbe, on assiste à une vraie belle demi-finale de l'individuel féminin, c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est beau du tête-à-tête en individuel comme ça. Enfin, du tête-à-tête en individuel, oui, ça va être dur de faire un tête-à-tête en doublette, ah, bravo. Home shine. C'est rapide, spectaculaire, plus facile à comprendre. Le
tête à tête a tellement d'atouts pour devenir une de nos disciplines phares. 3 boules, 4 boules. Bon, après, les débats sont lancés. En tout cas, là, on assiste à une superbe partie. Voilà, Mouna Béji qui est quand même courte. Hein. Une boule à 1 mètre pile face au but. Allez. Allez, là, il faut qu'elle exprime tout son talent. Elle est capable de faire des séries impressionnantes. Oui, voilà. Voilà, elle est bien assurée. Hein. Elle a bien, s'est bien pliée sur les jambes. Superbe carreau. Hein. Et sur la main, elle reprendrait presque l'initiative. Là. Ça marche plus ? Ah oui, d'accord. Superbe, hein, superbe. Repalé derrière. Hein. Superbe. Allez, là. Je suis en train de regarder. Voilà, c'est évident. C'est une évidence. Elle va le jouer parfaitement en face de la boule adverse. Du palais d'Emma Picard. Ça lui offrira la possibilité. C'est bien joué, c'est super bien joué. Envoyé pile dans la donne. Je peux vous dire que vous le voyez pas. On n'a pas encore. On a amélioré la qualité de nos images, mais peut-être que vous le voyez pas. Elle avait vraiment pointé sa donne à cet endroit. Elle est tombée parfaitement dedans. Oh, c'est bien tiré aussi. Aïe, aïe, aïe. Deux plus. Pour Emma Picard qui maintient son avance, qui est même. Accélère avec ce deuxième palais. À un point de la finale. Qu'est-ce que j'ai fait là, j'ai fait... On est à la main combien là? Je sais même plus. Bon, allez. Alors, attends, hein. Mince. Et Jonathan, tu peux pas essayer de cadrer le jeu là-bas, avec celle-là? Tu vois rien du tout. Approche carrément du jeu, tu sais, tu cadres carrément les boules, enfin, large quand même, tu sais. Attends, je vois même pas. Vas-y, remonte. Élargis un peu. Ouais, c'est bon. Merci. Et voilà. Allez, il faut bien engager hein, sur le tête-à-tête. Hein. Et c'est pas le cas pour Emma Picard qui va devoir s'employer pour reprendre la main sur cette main. C'est bien, hein, c'est cadré, mais on a la boule de retard. Et du côté de Mouna Béji. Eh bien, il n'y a encore rien de fait parce que, encore une fois, terrain tellement exigeant. Mais une fille qui a l'air très très précise. Hein. Elle a encore tâtonné sa petite donne là. Et elle l'envoie un peu sur le côté, mais elle est parfaitement placée. Allez Emma, là, je pense que... Elle va faire le choix, bien sûr, de pointer. Un petit point de la finale.
Ah, c'est gagné. Elle l'a envoyée pas bien haute, mais avec beaucoup d'effet dans la donne aussi. Et le résultat est là. Attention, hein, Mouna Béji. Si elle frappe, c'est un point. Si elle cadre, c'est deux. Si elle manque, c'est perdu. Et c'est un point. Oui. Une boule de match effacée par Mouna Béji. Voilà. Donc, allez, un match qui tient toutes ses promesses. Avec Mouna Béji qui peut revenir dans cette partie. Emma Picard ayant bien sûr un avantage. Un petit point de la finale. Mais ce petit point parfois est très difficile à obtenir. Et pourtant, il faut tout bâtir sur cet objectif. C'est une belle entame, hein. Allez, elle est belle. Elle est belle et ça force bien sûr Emma Picard tirer. Superbe. C'est. Yep, attention, va peut-être y avoir mesure, on voit pas bien de là. Allez, on se met parfaitement en face du but et de deux boules. Ou derrière, hein, on le voit mieux derrière, comme on dit toujours. Hein, si vous avez à regarder un point comme ça, eh bien c'est vrai qu'on se met souvent derrière. Allez, la mesure, elle va être importante cette mesure. Hein. Allez, sur cette première frappe, eh ben, le point est à Emma Picard. Ah, la petite. Allez, on va essayer de faire un point, un beau point, légèrement sur le côté de la boule adverse, bien sûr. Devrait pouvoir le gagner. Hop là. C'est gagné. Elle a pas trop bien piqué, du coup elle se retrouve en face de sa propre boule. Donc elle s'est pas mis en avantage sur ce point. Elle est large. Emma va pouvoir pointer tranquillement, même si vous pouvez imaginer. On a déjà vu, hein, frapper double pour gagner. Elle passe juste au-dessus du but, hein. Je sais pas si vous avez vu, mais le but il a pas bougé, hein. C'est un but lourd, un but en buis. Allez, encore une boule décisive. Mouna, elle doit faire une belle reprise. Et pourquoi pas, bien sûr, encore se remettre dans la boule de l'adversaire. Et c'est. Perdu un peu, elle l'avait bien envoyé, mais elle est restée un peu courte et c'est la victoire de Mademoiselle Picard, Emma Picard, qui se retrouve en finale de ce magnifique international tête-à-tête de Palavas-les-Flots. Une superbe, superbe partie. On s'est vraiment régalé. Quel niveau de jeu, franchement, avec peut-être Mouna Béji qui a pas trouvé le rythme, hein, qui n'a pas trouvé le rythme habituel. Emma Picard qui est bien partie devant, qui a gardé le rythme, qui s'est vu gagner à plusieurs reprises.
Attention, bien sûr, elle savait que Mouna Béji était très 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 forte et pouvait revenir. En tout cas, cette jeune française a démontré qu'elle pratiquait une pétanque de haut niveau. Et cette pétanque en individuel, c'est magnifique. Franchement, je ne sais pas si vous vous êtes régalé comme nous à l'instant, mais en tout cas, c'était superbe. Une partie qui a duré 37 minutes. 37 minutes de jeu et pourtant, quel régal. Allez, amis boulistenautes, on se retrouve avec la deuxième demi-finale qui s'annonce. Regardez, la Canadienne est déjà en train de... Ah ben non, elle est en train de regarder, elle est en train de prendre des photos. Voilà, donc allez, à tout de suite pour la deuxième demi-finale.